Ça va? T'es pas trop fatiguée? Ça va? Ça va très bien. Et toi, ça va? Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? Et alors? Ben, je sais pas, on n'est pas censé travailler ici. T'es ma chef? Non, mais. Est-ce que je dois te rendre des comptes? Est-ce que je dois te rendre des comptes? Depuis quand t'es devenue ma chef? Mais j'ai le droit de parler de travail, on n'est pas un binôme. Alors, tu veux parler du travail? Bah, parlons-en. Bah, ce matin, j'ai pu monter devant les vagins éclatés d'une amie de 11 mois. Et après, j'ai eu sa mère qui était prête à se mettre une balle dans la tête, parce que la fille, ça faisait 11 mois que se faisait violer. Et alors, tu me lâches et tu me laisses me détendre avec mes amis virtuels avant de passer à autre chose. Tu as compris? Ouh, madame s'exprime, madame en a gros sur la patate. Tu me fais chier, Elise. Je te jure, on s'est pas les moments. Mais c'est jamais le moment. Travailler, toujours le moment de papoter. Ta gueule. Tu vas fermer ta gueule. T'as compris? Tu vas fermer ta gueule, je te jure. Mais il y a que toi qui as des affaires difficiles. On n'est pas un binôme, on peut parler du travail. De où on est un binôme? De où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux. Est-ce que ça communique? Non, pas du tout. T'es tout le temps à me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce que j'ai le droit de faire, ce dont je n'ai pas le droit de faire. Tout le temps à me mettre des notes sans arrêt dans les jugements. Tu me fais chier. Tu vas arrêter de me donner des leçons, t'as compris? Ah, bah dis donc. Voilà comment tu me remercies d'avoir passé des heures à écouter tes doléances et tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste, je te recadre dans le cadre du boulot. Je te le dis, Nadine, t'es à côté de la plaque. Je te trouve juste. Je te donne pas le droit, pas le droit de parler de mon mec. Ma famille me manque, mes enfants me manquent. Mon mec, moi je l'aime, mais toi t'es une personne. Parce que t'es sèche, t'es sèche, t'es sèche comme un coup de trique. Et même pas une bite pour le rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde. Tu n'as pas l'air en complète possession de tes moyens. Putain, viens pas sur ces champs-là. Viens pas me faire chier, petite connasse. Maintenant c'est fini. T'as compris, c'est fini. Tu vas plus me dire ce que je dois faire. T'as compris? Ah, mais moi, je vais faire un rapport, hein. Eh ben fais-le ton rapport, hein. Fais-le tout de suite. Tu veux que je te le tape, connasse? Oh, 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 c'est quoi ce bordel là? Quoi? On vous entend d'en bas. Et on n'a pas fini de m'entendre, je vais vous dire. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quoi? C'est des problèmes d'ego, c'est ça? Eh ben oui, c'est des problèmes d'ego, parce que l'ego c'est la dignité. Et moi, je l'ai de la dignité. Et vous, vous avez pas de l'ego? Calmez-vous. Calmez-vous. Je les laisse à la maison, les problèmes d'ego, quoi. C'est pas des problèmes d'ego. C'est un problème d'ego. Silence! Taisez-vous quand je parle. Maintenant. Je te jure, tu fermes ta gueule. Vous serez séparés en septembre. Vous serez séparés en septembre. D'ici là, vous rasez les murs, hein? Pas comme si j'étais une débile. C'est bien. Je m'en fous, moi. Dans tous les cas, je pars. Eh bien, partez. C'est ça, mon nom que ça. Casse-toi.